Et non, beaucoup, beaucoup, ben, journalistes, là, vous pouvez une grande déclaration vous faire, mais merci pour votre présence quand même. On vient de dire qu'aujourd'hui, nous avons une réunion élargie. Ben, député, ben, ancien député, un des qui est bloqué pendant le Sivini. On vient de dire qu'il permet une partie de 4 personnes, de 4 députés. Plus, bien sûr, sur l'électorat, mais 4 députés. Et donc, nous avons une réunion tout le temps, nous avons causé tout le temps, nous bien avec les votes pour causer tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons une réunion plus formelle que d'habitude, et lundi, nous avons une réunion de l'exécutif complet, qui là, c'est 70, 75, 100 du monde. Mais là, aujourd'hui, c'était ban député, ban ancien député, avec ban office bearer, président, secrétaire général. Qui, nous n'en pouvons dire, et c'est très simple, il n'est pas très long. Première chose, la population anti-Maurice connaît contribution du PMSD depuis l'indépendance, dans le développement du pays. Si parti non PMSD dans gouvernement successif, parti pour une zone France, parti pour une tourisme, parti pour une CSA, parti pour une COLAS, 13e mois, un tas d'affaires parti pour nous. Nous amène nos contributions et souvent, nous finissons faire sacrifice. Nous tout comme un sacrifice que Gaëtan Duval, par exemple, finit faire après l'indépendance, qui finit coûte assez cher au PMSD. Mais nous finissons faire aller avec gaieté de cœur pour le pays. Là, tout récemment, je suis très fier, nous, l'équipe, nous avons député au Parlement, il nous fait extrêmement bien, et moi-même, je suis une leader de l'opposition avec un consensus de l'opposition, et mon corps qui est population, pour d'accord, qui, dans le passé récent aussi, qui le PMSD finit faire honneur au pays, et nous faisons une présence importante pour le développement du pays et le développement de la démocratie. On rappelle qui en 2016, personne parti en paix, nous, oblige nous, mais nous démissionner volontairement pour protéger la démocratie à l'île Maurice. Alors que nous tenons tout ce qu'un politicien capable de souhaiter, nous tenons à lui avant de nous démissionner en décembre 2016. Maintenant, allons situer un peu les choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai toujours une grande retenue. Mais fait est que pendant un certain temps, avec mon bandé, partenaire de l'Alliance, mon pécose l'année dernière, l'année d'avant, là, hein, t'es allé, venir toutes les semaines, qui s'en a pour président, qui s'en a comme étiquette pour gagner, qui s'en a pour speaker, qui s'en a pour tout ça, là. Et la population, t'es fatiguée en nous. T'es fatiguée avec sa 3 bouglans et besoin toutes les semaines, pas récitum d'accord, vrai, pas vrai. Je te rappelle de ça, moi, je suppose. Et donc, après un certain temps, moi, je prends décision avec nos bons camarades, qui nous arrêtent cette discussion-là, sans nous tomber d'accord. Nous arrêtent cette discussion-là, mais nous allons plutôt vers le programme, vers toutes sortes de choses. Et nous avons une réunion extrêmement intéressante avec tous les membres, même les membres travaillistes, les membres PMSD, concernant le programme. Et nous finissons arrivés bien loin avec consultation du public, etc. Donc, pour moi, ça 35, 17, 8 là, jamais pas finalisé. Fin gain une proposition. D'ailleurs, nous tout connaît qui quand Ramgoula Navin Ramgoula il dit ça. Paul Béranger même il sautait. Le fait est qui patinant aucun accord définitif. T'as une cause dans l'air. Patinant aucun accord définitif. Aujourd'hui, ce qu'ils sont capables de dire, c'est que le PMSD, avec mon pensée, un soutien de la population en général, que ce soit tout le monde, qui nous souhaitait pouvoir influencer aussi le cours des choses dans un prochain gouvernement de l'Alliance travailliste MMM PMS. Nous souhaitons ça, nous pas là, nous pas les vents à fleurs. Qui nous servir, à qui nous pouvons rendre service si nous disons vents à fleurs. Donc ce n'est pas aujourd'hui une option pour le PMSD d'être vents à fleurs, surtout que la politique de ce jour, il comprend beaucoup de risques. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de Mauriciens ne sont pas envie de faire politique. Un homme d'affaires, autrui pour faire politique. Un professionnel, vous voulez faire politique? Non, non, on ne peut pas faire politique. Aujourd'hui, il y a un risque aujourd'hui, là, par Gainsbourg qui a été problème. Donc, il y a énormément de risques là-dedans. Il y a bonne chose, mais aussi un risque. Et pour cette raison-là, donc, PMSD a insisté que sa présence d'un prochain gouvernement est déterminant. Parce que nous, si nous, dans nous les cœurs, qui nous n'ont qu'un un apport positif pour faire pour le pays.
qu'un apport positif pour faire dans l'opposition qui nous fait très bien après moi-même, très bien après mon collègue du PMZ aussi depuis 2019, mais qui nous a aussi un apport peut-être encore plus considérable à faire. C'est pour cela donc qui nous dit, nous faisons une proposition hier et avant avec le docteur Navin Ramgoulam, pour qui nous avons beaucoup de respect, et aussi avec Paul Béranger aussi, avec tout le respect, qui est une bonne proposition, nous devons faire, j'ai fait des trois contre-propositions, mais ça continue, on va voir que nous arrivons, nous, comme tout le monde, souhaitons qu'il nous finalise rapidement, et qu'il nous capable d'arriver à une solution, mais ce n'est pas seul au PMSD de trouver la solution. La solution, si nous tous en vie à l'ensemble, c'est à tout le monde de trouver la solution. Et c'est ça, mon pensée réunion qui finit passer avec Navin Ramgoulam, positif, même très positif. Nous bouquetons finalement, quand il finit une bonne conversation avec Béranger, Paul Béranger, etc. Écoute, nous pourrons arriver avec les choses. Nous souhaitons donc qu'il soit capable de finaliser au plus vite et qu'il soit capable de faire 1er mai ensemble. Et mon cher qui dit pour un 1er mai massif. Et donc voilà, et non, pendant qu'on se l'a dit d'autres, vous pensez qu'il est important dans une affaire comme ça, qui nous cause, nous ne pas blesser personne, nous ne pas mettre couteau à grosse personne, nous garder une retenue et nous capables de faire du monde avancer. Je n'ai pas l'habitude de permettre de rentrer dans un détail, mais pas pour rentrer dans un détail. Quand je rentre un petit peu plus de détail que mon habitude, parce que la situation l'exige, mais je n'ai pas dans l'intention. Mais il est important aussi pour dire que. Tout le monde dirigeant PMSD, nous adamant qu'il faudrait que PMSD ait toute sa place, toute sa présence dans un prochain gouvernement pour le bien du pays, pour le bien de tout le monde mauricien, pour le bien de tout le monde qui fait nous confiance, et aussi, bien sûr, pour que tout le monde qui fait sacrifice pour le PMSD soit capable de même retrouver les autres, pas éternellement, puis faire sacrifice. Qui est-ce pour faire de ma part? Dire à Moun qui finit démissionné en 2016, dire à Moun qui finit tout cas été misère tout ce temps-là, bien, il n'a pas fait rien, 5 prochaines années, mais continue, passe dans misère. Donc, j'espérais que le bon sens va prévaloir et que dans quelques jours, le Carab annonce une très bonne nouvelle. Je vais vous permettre de parler de l'audition. Monsieur Joseph, nous suivons attentivement la conférence de presse de Paul Béranger. Les dialogues section questions-réponses qui sont surpris par le nombre d'étiquettes qui le permettent de finir. Il n'y a pas de certaines étiquettes, même des étiquettes moins. Au moins, ça nous a une réaction. Exactement la raison qui fait mon diaou. Mon pas intéresse rentre dans le détail pour ne pas insulter personne. Mais vous n'écoutez quand même dire. Vous avez FM, ça? Non. Non. Ayanus. Ah, ben vous parlez. Non, vous ne pouvez pas me parler. Non, excuse-moi, c'est vrai. Pas bien. Quand on écoute la conférence de presse de Paul Béranger, il dit qu'il n'est pas satisfait de la façon de faire du PMSD. Et même cite l'exemple que tu tiens produit avec Patrick Belcourt. Il déplore ça. Mon leader de l'opposition, il y a M. Balin qui demande rendez-vous lundi. Mon bonjour, mais mon leader de l'opposition. Comment, quand on écoute Paul Béranger causer, comment on parle? Moi, je tiens à ma discussion à nous-mêmes. Je ne suis pas habitué à écouter tout ça, mais comment tu expectes? Laisse-nous, encore une fois, ne pas mettre dans le détail, mettre pression malsaine, couteau sous la. Nous pas comme ça, nous. Nous avons une façon de causer en privé avec les gens, et je ne veux pas causer en deuxième monde. Et vous pensez que ça va faire une tergiversation qui n'a pas porté un peu atteinte à l'Alliance même? Moi, j'espérais qu'au contraire, quand du moins un petit peu anti frivolité, après ça, quand les relevés, il y a encore toujours une grande fête. C'est que monsieur. Vous pouvez souhaiter que l'Alliance PMSD travaille sa madame PMSD, donc arriver là-bas après la discussion, mais aussi dire que. Le PMSD se présente déterminant dans un prochain gouvernement. Est-ce à dire qu'il faut, avec le MSN évidemment, si ça ne pas, nous pas. Mais dis bon, pose-moi la question, parce que nous ne prenons aucun accord, quoi que ce soit, avec le MSN. Qui du monde souhaite que le PMSD joigne les autres? Ça, tout le monde. M. Baudin, ça. M. Badin, tout le monde. C'est normal, ça. C'est normal, ça. C'est une démocratie. Du monde qui n'a pas envie
envie, mais nous, après, nous prenons une décision. Là. Au niveau du parti, pour déroger, dire comme ça, qui. Même on écoute le, bien, on écoute bien. Bien ce gouvernement. Ouais. L'actualité oblige, comment vous dites, là, je peux discuter des trois ans, finalement, de discuter l'autre. Mais pour déroger, dire comme ça, même sans le PMSD, je vous bats les carreaux. Ben, une réaction mal au sein. Qui voulait me répondre? Mais on peut n'avoir aucune réponse. Mais toutefois, il dit qu'il y a souhaité qu'il permette les risques de l'alliance et que tout à l'heure ensemble. Mon pensée, il y a des fois quand on guette une conférence de presse, on est capable de comprendre l'intention de tout un chacun. Et du monde va besoin décider l'intention de tout chacun. Chacun à travers nos bonnes paroles dans une conférence de presse. Est-ce que c'est vrai qu'un de ma constat, c'est... Mais si moi, sinon, vous dire beaucoup d'avions de gradier, hein? Beaucoup d'avions de gradier. Beaucoup, beaucoup d'avions de gradier. Même pas le moment. Beaucoup d'affaires. Est-ce que c'est vrai qu'un de ma obstacles, c'est un ticket du PMSD au numéro 3 qui n'est pas gagné? Mon premier rentre dans le détail. Mon premier embarrasse, mon bande frère, qui est député déjà dans le numéro 3, qui fait moi bien embarrasse au niveau public. Et pas mon manière. Et Sandjouman, Shakil Mohamed, mais nous travaillons ensemble pendant des années. Et qui fait moi bien embarrasse au public, moi? Je pas trouver une raison. Vous finissez dire qu'il finit une réunion aujourd'hui avec ma député du PMSD, un ancien député du PMSD. Oui. Je ne peux pas trouver Adrien. Oui, Adrien, vous connaissez Nen Baptême. Ce bon camarade, il est parrain. Et excusez. Voilà. Et une cause à vous, après sa rencontre. Oui, tout le temps, tout le temps. Je cause avec tout le monde, tout le temps. Hein? Bon, par contre, il y a du monde ici qui me demande un rendez-vous. Vous avez un hour de gain rendez-vous. Donc finalement, ça, 35, cette lutte-là, pas de finalisée. À ma connaissance, à moi, une finalisée derrière moi, devant moi, pas de finalisée. Si une finalisée derrière vous, les là qui arrivent, parce qu'il peut bien ranger, dire, nous ça, mais pas pour voir ça. Non, la prochaine rencontre avec Manuel Lam et Paul Béranger, c'est prévu pour? En tout cas, il y a deux façons de faire. Soit nous joignons Navin, ou nous joignons à trois. Donc, arrêtez. Quand il y a plus seulement une discussion, hein, il y a seulement une spéculation. Mais vous allez dire aussi, il est important de vous dire que la relation entre le parti mauricien et le parti travailliste est historique. Hein? Moi, en tout cas, depuis mon leader, je suis toujours là. Moi, quoi, 13 ans de faire gouvernement ensemble. Je veux dire aussi, rappel, peut-être du monde, pas pour rappel. Non, nous autres causes, PMSD, Tissot, Paris Travail, 176, avec ceux des députés Rodrigue. Nous prenons 2011, quand MSM quitte le gouvernement. Le Parti Travailliste peinant majorité dans le Parlement. En 2011, peinant majorité dans le Parlement. Qui majorité est là? C'est ça, 4 députés, 5 députés PMSD, sinon à l'époque. Après, ben, transfusion venait. Non, après. Mais à l'époque, là, c'est PMSD qui soutenait, c'est pas Banjou Kouchal, là, soutenir le parti. Et nous tout connaissons qu'il arrivait, même après l'épisode Sikwen, nous finissons rester, même après que nous gagnions une grosse victoire en 2014. Grosse victoire. À un côté, MMM, avec M. Béranger et M. Ramboulam, à un côté. L'autre côté, c'est là, c'est Anne Rojagnat, moi-même, M. Colin Davulu principalement. Et nous faisons une grande victoire. Mais en 2016, nous connaissons la situation du pays en difficulté. Nous connaissons qui s'en a pu menacer aussi. Nous connaissons ça. Peut-être pas tellement beaucoup, pas tellement beaucoup de leaders politiques de aujourd'hui, si nous pas fait ça. Donc nous faisons aller. Et tout le temps, nous travaillons ensemble pendant des années et nous souhaitons que ça continue. Peut-être un monsieur capable de dire, ben, il vous gagnez sans nous, ou bien nous gagnons trop. Mon papa expecte d'autres choses de la personne. Là, nous besoin, nous, d'être devant, d'être l'intérêt pays. Et moi, pas envie non plus, peut-être mon cause trop beaucoup là, hein, moi, pas non plus envie d'éclater la guerre avec personne. Mais est-ce que le PMSD... Parce que le public, besoin et non, la confiance totale, que ça l'équipe. Là, comment nous le marchons depuis ça? Qui sont l'équipe-là pour travailler de façon soudée pendant 5 ans pour le bien du pays. Est-ce que le PMSD, on a en négociation avec d'autres partis? Moi, je dis, nous pas pu faire rien ça. Aucun autre. Non, parti. Négociation. Nous pas en négociation non plus. Au-delà de tout ça, là, tout ça, c'est une spéculation. Là, il allez, pas assez question. Pas assez question, là. Une dernière question. Il connaît le jeu du gouvernement. C'est hier, le Premier ministre, à la source, il y a comme ça qu'il voit un nouveau la liste électorale. En août, il y a là, il peut donner l'élection. Mais okay. Je ne de gouvernement champ libre, quand vous êtes même de parcours finaliste. Bon, bien incapable de dire aucune intention
Pravin Jagnat était, certainement, pour qu'il nous capable de gagner l'élection, chaque parti besoin d'un maximum de ses efforts pour gagner cette élection-là. Et chaque électorat besoin de sentir 100% derrière sa nouvelle alliance. C'est pour cela qu'il y a une alliance à trois, nous tous besoin de gagner un poids nécessaire pour amener ça. Et moi, comme je dis aux autres, il n'y a personne capable de dire à moi que la présence du PMSD dans un prochain gouvernement n'est pas essentielle pour le pays. Peut-être même essentiel pour stabilité de l'alliance. Hein? Il est essentiel pour confiance que la population mettait dans l'alliance. Mais il est essentiel aussi parce que nous avons une capacité pour faire le travail. Nous faisons tous les jours, nous live maintenant à la télévision. Nous track record, il est là. Nous faisons tout ministère presque important qui est dans le pays. Nous avons des camarades aussi extrêmement expérimentés. Donc, à nous travailler dans un esprit positif, en toute amitié, trouve une solution et la population capable fait nous confiance de ce côté-là. Voilà, c'est assez. Il y a un journaliste qui dit qu'il peut-être pas démissionner de cause de leader. Non, c'est clair que nous n'avons 4 députés. D'ailleurs, je considère un extrêmement grand honneur. Hein? Franchement, vous êtes tout le monde camarade qui, malgré le fait que nous n'avons 4 députés, nous n'avons gagné tant de choses. Que vous faites? Nous n'avons mais nous avons 4 députés et nous avons 27-28 députés d'opposition qui tous les restes me font moins confiance. Et moi, je veux dire que jusqu'à présent, moi, je ne suis pas aware qu'aucun de ces députés-là ne fait pas commenter, c'est pas il ne faut que la papa débrouille, tirer, etc. Je pense que nous tous travaillons extrêmement bien et c'est vraiment un grand honneur que ça le cas. Mais c'est clair que si demain, je n'ai plus confiance, le Parti travail, c'est le plus grand parti. Avec 12, même quoi, il y en a 8 ou 9? 9. Nous, nous en 4, il est clair, mathématiquement, qui peut arriver, si madame a confiance en moi, avec grand plaisir, moi faire ce qu'il faut faire. Mais vous parlez de missionner. Moi, je fais ce travail-là pendant 3 ans. Là, on dirait que quand on arrive au but, qu'ils n'ont pas envie de missionner, voyons. OK? Merci beaucoup. Une dernière question. Un jour de cela, David Ramoulin nous donne un point de presse qui dit que je parle bel et bien pour le 1er mai ensemble, mais que la formule 35-17-8 n'est pas remise en cause. Ça, moi, je dis, n'est pas helpful quand je me donne une déclaration à droite et à gauche. Chacun est dans sa version différente. Là. Mais on dit, il dit, il est trop beaucoup, celle-là, il dit, il est bon, moi, il est pas assez. Mais pas normal. Nous sommes d'accord qu'en 3 leaders, nous sommes capables de causer sans demain, nous étant tout ça sur la place publique. C'est ça la position du PMSD. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.